Ah bah non, il n'y a pas les mains aujourd'hui. C'est pas grave, ils n'auront pas. Bon bah bienvenue dans cette nouvelle vidéo, peindre en négatif. J'ai suivi un tuto de La Jolie Môme. C'est une chaîne YouTube, fait des choses superbes. Je suis absolument admirative de ses compositions. Et puis cet aquarelliste montrait comment faire d'une négative la peinture négative. Je ne savais pas comment faire. Donc j'ai regardé et puis je me suis mise là comme ça. J'ai mis le scotch, bon j'ai pris du bleu. Après j'ai pris du jaune. Puis j'ai commencé à faire. Là, je vous montre sur ça, c'est le troisième passage. Comment on fait? Donc, il faut délimiter le trait et mettre de l'aquarelle vite, 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 parce qu'il fait très chaud, il fait 30 degrés. C'est du papier cellulose, alors il absorbe très, très vite l'eau. C'est le problème du papier cellulose. En plus, celui-là, c'est même pas un papier dédié à aquarelle, c'est du papier multitechnique, donc. On lui demande beaucoup quand même. Disons que ça va, que j'ai un coup de main avec le pinceau et que j'arrive à peu près à faire ce que je veux. Mais il faut travailler vite, hein. Clairement. Il faut sécher entre chaque couche. Alors il faut mettre de l'eau, mais pas trop pour pas avoir des bâches ou avoir des choux-fleurs. C'est compliqué. Alors vous n'y arriverez pas si vous ne tenez pas votre papier, hein. C'est clair. Donc déjà, pour ne pas vous mettre en difficulté pour faire ce genre d'exercice, il faut absolument que votre papier il soit collé. Hein? Clairement, une tenue avec des pinces, tenue avec du scotch, sinon vous n'y arriverez pas, hein, parce qu'on travaille avec beaucoup d'eau, le papier gondole, donc si ça gondole, ça fait des bâches, ça va pas du tout. Et puis, comme je vous dis, il faut travailler vite, hein, parce que le papier absorbe. Et puis. Il faut revenir dessus régulièrement. Donc là, je crois que ça fait la quatrième couche vers le haut. Et comme c'est du papier cellulose, ben, il a tendance à un peu plucher. Hein. Pelucher. Voilà, ça sera mieux. Ça se voit pas trop, vous m'en aperçoit. Donc là, je commence à faire des touchettes. Et puis, je joue avec la diffusion de l'aquarelle dans l'eau pour pas trop frotter le pinceau. Non, frotter le papier avec le pinceau. J'attends que l'aquarelle se diffuse naturellement, enfin que les pigments se diffusent naturellement dans l'eau. Et puis, colore le papier petit à petit, parce qu'en fait, comme il est en train de s'abîmer ce papier finalement, hein, par l'abrasion mécanique hein, des poils du pinceau sur le papier, parce qu'il est gorgé d'eau, et que je rappelle, c'est du papier en cellulose, hein. C'est pas du papier en coton, donc voilà. Il faudrait que j'essaye cette technique avec du papier coton. Et je suis persuadée que ça fonctionnerait bien. Ouais. En tout cas, le résultat est joli. J'ai des différences de ton. C'est quelque chose que j'aime bien. J'essaie de tamponner avec les jolis tampons des aloès de Karine. C'est des sables d'or. J'adore cette collection. Je l'avais acheté l'année dernière. Et là, pour la première fois, je l'utilise. Ça tombe bien. On est sur le moment où on utilise les choses sur le thème de la mer. Et puis ces couleurs-là, le bleu de phtalo turquoise est juste magnifique. Et puis j'ai mélangé pour avoir du vert avec le jaune primaire hein, de chez Sennelier. Et voilà. Donc ça me fait voyager en fait. Et ça tombe bien, il fait très chaud. Donc un peu de fraîcheur à travers les couleurs. C'est assez joli. On a l'impression qu'il y a des effets de lumière. Enfin, pour moi, c'est une découverte, cette technique d'aquarelle. Mais il faut un peu penser à l'envers hein, en fait. Donc, c'est pas si aisé. Faut se lancer. Oui, il faut se lancer. Il faut oser. Pas de brouillon avant. Directement dans le carnet. En avant Guingamp. Et on verra ce que ça donne. Bah, le résultat, il est joli. En tout cas, ça ressemble à ce que j'avais en tête. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, les tamponnages. Alors, l'intérêt de ces planches de tampons clear, vous pouvez essayer les tampons comme ça en disant peut-être là, non, peut-être là, peut-être là, non, en fait, voilà. C'est quand même beaucoup plus facile de travailler avec des tampons clear que les tampons en caoutchouc, même s'ils sont moins bien définis. Ça, c'est un petit débat, peu importe. J'ai extrait de cette grande planche à quatre la toute petite étoile de mer, la grande étoile de mer que je vais tamponner deux fois, ainsi que ce joli petit. Oursin, en tout cas coq d'oursin, parce qu'il n'y a plus les piquants. Le titre, Baladiodé, bah, ça me semblait adéquat, hein. Vu les couleurs, et puis vu l'univers, et puis ce que j'en ai fait, en fait, hein, voilà, dans mon esprit, hein, dans mon inspiration.
Parce qu'en fait, au début, je ne savais pas du tout que j'allais utiliser les tampons sable d'or. Je ne savais pas que j'allais faire quelque chose comme ça, tourner vers la mer. Je ne savais pas que j'allais mettre du tamponnage. Au début, je voulais juste faire un exercice comme ça, de négatif, parce que je n'avais jamais tenté le truc. Voilà, donc, puis petit à petit, je me dis, bah, en fait, tiens, j'aimerais bien mettre un oursin, coquillage, enfin, non, pas coquillage, finalement, je vais mettre les étoiles de mer. Voilà comment ça se monte petit à petit. L'inspiration prend des chemins différents au fur et à mesure où le travail avance. Et puis, comme je veux que ce soit brillant, bah, je mets de la pâte de texture. Voilà. Donc, pour résumer, deux couleurs, le jaune primaire de Seignelay, le PY74, plus un godet de turquoise stallo, donc dedans on trouve le PB 15 2.3, le bleu primaire, plus un PG numéro 7 qui est du vert. Ben finalement, avec trois pigments, on arrive à avoir tout cet éventail. Et c'est ça qui est magique dans l'aquarelle. C'est le mélange qu'on a entre l'eau, le papier, les pigments et les dilutions, et puis le fait de recontraster. Voilà, enfin, faut essayer. Allez, amusez-vous. Allez, à ciao, à bientôt.